Quentin Romé, je suis le président de la société Homunity, société que j'ai cofondée en 2014 et que je dirige depuis maintenant 6 ans. Alors, chez Homunity, vous investissez dans des obligations simples. La durée d'investissement varie de 12 à 30 mois. Les rendements sont compris entre 7 et 10% annuels. Il s'agit de rendements contractuels, mais il existe un risque de perte partielle ou totale du montant investi. En investissant dans le crowdfunding immobilier, vous allez souscrire à des obligations, c'est-à-dire une imposition de revenus mobiliers, alors que le sous-jacent est immobilier. C'est un impact plutôt positif pour l'investisseur, étant donné que vous allez être soumis à la flat tax, donc 30% d'imposition CSG, CRDS compris, et c'est plus avantageux qu'avant 2018, où vous pouviez être imposé sur votre tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire jusqu'à deux fois plus que la flat tax. On peut donc dire que l'investissement en crowdfunding immobilier a une fiscalité plutôt douce aujourd'hui. Le placement en crowdfunding immobilier ne rentre pas dans l'IFI, qui est l'impôt sur la fortune immobilière. L'IFI, qui a remplacé l'ISF en 2018, vous permet justement, à travers le crowdfunding immobilier, d'être exonéré de ce type d'imposition. Donc, un patrimoine élevé va uniquement devoir payer la flat tax et ne va pas avoir d'impôt supplémentaire sur ce type de placement. Plusieurs types de sociétés peuvent investir chez Homunity, aussi bien des sociétés commerciales de type SA, Société Anonyme, ou SAS, ou SARL, ou bien des sociétés civiles, ou encore des holdings patrimoniales. L'imposition va dépendre de la société en elle-même, mais dans la majorité des cas, il s'agira d'une imposition à l'IS, impôt sur les sociétés, à condition que la personne morale qui investit dégage un résultat positif. Cette imposition à l'IS est d'en moyenne 30%. Lorsque vous investissez dans le crowdfunding immobilier, il y a un prélèvement à la source qui est effectué lorsque vous touchez vos revenus. C'est-à-dire que dans la grande majorité des cas, vous n'aurez rien à faire auprès de l'administration fiscale. Homunity va prélever une partie des intérêts pour le reverser directement au centre des impôts. Et vous, en tant qu'investisseur, vous pourrez aller au sein de votre espace personnel afin de télécharger le CERFA pour chacun de vos investissements et voir que le bon montant a été indiqué dans votre feuille d'imposition annuelle. Ainsi, Homunity s'occupe de tout et vous accompagne. N'hésitez pas à solliciter nos chargés de clientèle pour vos déclarations d'impôts.